Ce week-end, mon fils est venu me voir. Papa, je dois dessiner un loup-garou. Mais je n'y arrive pas, c'est trop dur. Tu peux m'aider ? C'était son sujet en art plastique, la représentation des monstres dans les contes pour enfants. Ok, allons voir sur Internet si on peut trouver quelques images qui représentent un loup-garou. Et notre choix s'est arrêté sur un joli dessin, mais un dessin extrêmement abouti, très compliqué à reproduire. Regarde ce que je vais faire. Je vais en faire un dessin très simplifié, tu vois, avec ce feutre noir, et tu pourras après t'en inspirer. C'est ce que j'ai fait. Et quand, en fin de journée, je lui demande de me montrer son dessin, là, je suis extrêmement surpris de constater qu'il a dessiné un loup-garou tout à fait différent, et plutôt réussi. Mais il y avait mis sa patte, son style. Il ne s'était pas contenté de copier le modèle que j'avais fait. Alors, où je veux en venir avec cette histoire? Eh bien, c'est aussi en rapport avec le titre de ma chaîne YouTube, « Peindre enfantin ». Mais pour l'instant, installez-vous confortablement. Prenez une boisson chaude ou froide, suivant l'endroit où vous vous trouvez, et accompagnez-moi dans la peinture de ce jeune garçon rieur. Et cette fois, vous verrez que la méthode employée est très différente de ce que je fais habituellement. Disons que c'est une façon beaucoup plus classique de peindre, en achevant chaque petite zone avant de passer à la suivante, et en jouant beaucoup, vraiment beaucoup sur les mélanges de couleurs. Alors vous l'avez compris, il existe de multiples façons de peindre. Et si vous êtes encore là avec moi à ce stade, vous vous posez peut-être la question de savoir comment trouver mon style. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir pourquoi vous peignez. Pourquoi vous peignez? Est-ce que c'est juste une occupation? Ou est-ce que vous voulez vraiment développer votre talent et pourquoi pas devenir un artiste confirmé et exposer vos œuvres? En fait, tout dépend de votre objectif. Je me souviens, il y a bien longtemps, avoir assisté à une conférence dont le sujet était sur le développement des compétences. Et l'orateur avait choisi comme exemple la façon de dessiner. Et je me souviens parfaitement de ses propos. Et cela a déclenché à l'époque tout un processus de réflexion chez moi d'ailleurs. Allez dans une classe de maternelle et demandez « Qui sait dessiner ?» Vous verrez pratiquement toutes les mains vont se lever. Faites la même chose dans une classe de collégiens et vous allez voir seulement quelques mains se lever peut-être. Alors que s'est-il passé entre-temps? Qu'est-ce qui a fait que l'enfant de 4-5 ans est persuadé savoir dessiner alors que quelques années plus tard, ce talent aurait mystérieusement disparu? Et ça, c'est pratiquement tout le monde. Et vous savez bien sûr pourquoi. Un enfant de maternelle est très créatif. Et tout le monde va l'encourager. L'école, la famille, on va s'extasier devant son dessin, on va l'encourager à poursuivre. Mais plus tard, le dessin devient beaucoup moins important. À la place de dessiner, tu ferais mieux de faire tes maths. Et ainsi, on va entraver sa créativité sans s'en rendre compte. Oui, dessiner des petits Mickey, c'est bon pour les bébés. Et aujourd'hui, si vous demandez à un adulte de dessiner une maison ou un bonhomme, vous allez voir que la grande majorité va dessiner comme un enfant de 5 ans. Eh oui, la plupart se sont arrêtés à ce stade. Alors que dans de multiples domaines, c'est curieux, l'être humain progresse en grandissant. Eh bien, dans le dessin, tout s'est arrêté à 5 ans. Tout s'est arrêté à 5 ans. Et j'en viens également au titre de ma chaîne, « Peindre enfantin ». Alors la première idée qui vous vient sans doute à l'esprit, c'est de se dire que peindre, c'est facile, c'est enfantin. Eh bien, oui et non. Oui et non, parce que d'abord, peindre n'est pas facile, mais il est facile de peindre. Je vais le répéter car il y a une nuance, vous l'avez compris. Peindre n'est pas facile, mais il est facile de peindre. Il est facile de peindre si on garde son âme d'enfant. Alors je m'explique, ça me fait penser à une chanson de Jacques Brel qui disait « Il nous a fallu bien du talent pour être vieux sans être adulte ». Et ce que j'aimerais faire passer comme message, ce que j'aimerais vous faire passer comme message à ce stade, c'est que quel que soit votre niveau en peinture, il faut vider votre cerveau de toutes les pensées négatives. « Je ne suis pas doué, je n'y arriverai jamais, je suis trop jeune, trop vieux ». Je n'ai pas assez de temps, et blablabla, etc., etc. Tout ça, ce ne sont que des excuses.
L'enfant, lui, il peint spontanément, sans se poser de questions. Et devinez quoi? Eh bien, il progresse. Ses dessins prennent de plus en plus forme et couleur. Et il est satisfait. Et s'il ne l'est pas, s'il rate, eh bien, il va recommencer tout de suite, sans se poser de questions. Alors, faites comme lui. Peignez, peignez et peignez encore. Faites fi des commentaires et rappelez-vous toujours pourquoi vous avez choisi de peindre. Et échouez, oui, échouez. Échouer, c'est la seule façon de progresser, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Et en fait, ce n'est jamais un échec, c'est juste une façon de pas bien faire les choses. Donc il faut considérer ça plutôt comme un apprentissage. Donc considérer l'échec comme un apprentissage obligatoire. Eh oui, tous les grands peintres ont raté tellement de toiles. Moi, je ne vous dis même pas, j'en ai raté 100 fois plus sûrement que j'en ai réussi. Mais il faut apprendre, il faut continuer et apprendre de ses erreurs. Pas question de ranger les pinceaux et les couleurs dans un tiroir au premier obstacle. Non, non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Alors, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de rater une toile, car à chaque échec, vous vous rapprochez un peu plus de l'artiste que vous allez devenir.